Un parterre d'invités chic et élégant pour une avant-première, celle de la nouvelle production des studios Montparnasse. Avec Le Mal ne vient pas de loin, mais je suis au bien le réalisateur, transporte le monde dans l'univers des foyers polygames et de ses travers. Le personnage principal, Pauline, va faire les frais d'une vie qu'elle n'a pas choisie, du fait de jalousie et de rancœur. Ce film raconte l'histoire d'une jeune fille, Pauline, puisque c'est d'elle dont il s'agit, qui a été promise à un avenir meilleur, très intelligente, une élève dépassant la moyenne, comme on a l'habitude de le dire, et qui malheureusement est tombée dans une famille où les femmes de son père n'avaient pas l'avantage d'avoir des enfants comme elle. Et tout de suite, elle a été plongée dans un maléfice, si je peux le dire comme ça, où à chaque fois qu'elle devait rencontrer des hommes, elle devait les violer. Malheureusement, elle a tenté dans les églises pouvoir enlever ce sort-là. Ça n'a pas été très évident. Elle s'est rangée du côté de la tradition et c'est de là-bas qu'elle a fort heureusement trouvé la solution. La touche particulière de ce film, c'est que c'est simplement un retour, sinon un rappel à notre tradition. D'accord ? Parce qu'on a tendance à oublier d'où on vient. Ok, et lorsqu'on se retrouve face à des situations assez difficiles dans nos vies, on oublie également qu'on peut trouver solution dans la tradition. D'accord, la modernisation c'est bien, mais d'où l'on vient, c'est encore bien de le savoir. Une avant-première qui fait suite à un tournage de 6 mois environ. Pour le réalisateur, il était question de contextualiser véritablement les faits. Dans ce film, nous valorisons beaucoup le Bouiti. Parce que c'est la voie par laquelle elle va trouver la guérison, entre guillemets, face au mal qui va s'abattre sur elle. Donc, lorsque vous parlez par exemple du Bouiti, il faut aller vers les Bouitistes et il faut aller dans des temples dédiés pour cela, parce que c'est toute une science. Il faut la comprendre, il faut la pénétrer, il faut apprendre. Et donc, des sites comme ça, vous ne les calez pas en un mois. Il faut aller rencontrer ceux qui en sont dépositaires, ceux qui les gèrent, ceux qui en sont propriétaires spirituels. Et après, il faut expliquer ce que vous voulez faire et il faut suivre les rituels qui vont avec. Donc, ça prend beaucoup de temps. Donc, c'est beaucoup plus l'exploitation des sites particuliers qui nous ont amenés à mettre tout ce temps-là. Mais Dieu merci, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Le Mal ne vient pas de loin, une nouvelle production qui a toutes les chances d'avoir le même succès que les précédentes œuvres de Meshi Obiang. En effet, le réalisateur, à travers cette immersion au cœur de la tradition, pourrait réveiller bien des consciences.